Dans cette vidéo, le Grinch m'a kidnappé et m'a forcé à lui créer un Brookhaven pour que je puisse être de nouveau en liberté. Car regardez juste ici, il y a le Grinch et j'ai l'impression qu'il veut clairement pas mon bien. Et je crois que j'avais raison puisque regardez, je suis actuellement totalement en prison. Et bon, pour en sortir visiblement, je sais pas trop comment faire. Sauf que attendez, juste là-bas, il y a le Grinch. Et elle est en train de venir me voir. Et elle m'a dit quoi? Si tu me fais un Brookhaven, je vais te laisser en liberté. Par contre, si j'aime pas, tu meurs. Comment ça les gars, je vais mourir si elle aime pas mon Brookhaven? Attendez les gars, mais ça craint de ouf par contre. Faut vraiment que je fasse un Brookhaven que visiblement c'est la femme du Grinch, j'ai l'impression qu'elle apprécie. Mais juste avant, et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu vas perdre tous tes Robux sur Roblox quand tu te connecteras. Alors abonne-toi si tu veux avoir plein de Robux. Donc à ta place, franchement, je m'abonnerai. Et regardez les gars, je suis actuellement sur l'éditeur de Roblox et j'ai mon monde Brookhaven juste ici tout autour de moi. Ok, donc c'est vraiment plutôt sympathique. Sauf que bon, le problème du monde actuellement, c'est que bah regardez, il ne ressemble pas du tout au monde Brookhaven du Grinch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ce monde un peu plus à la lumière du Grinch. Donc déjà, il faut savoir que le Grinch, ça se passe pendant Noël, parce que le Grinch, c'est quelqu'un qui déteste Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite virer cette fontaine nulle, et toute petite lumière là, autour de la fontaine aussi, ça dégage. Et à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un gigantesque sapin de Noël. Donc juste ici, on met un sapin de Noël, et on va le grandir en beaucoup plus grand pour vraiment que le Grinch déteste cet endroit, parce que le Grinch, il vit à Noël, mais il déteste Noël, malheureusement pour lui. Donc là, ok, on a déjà notre premier truc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que juste à côté, ici, il y a ces balançoires là. Et les balançoires, ça me convient pas non plus. Parce que les balançoires, c'est pas du tout dans l'humeur. Dans le monde du Grinch, ça va pas. Donc voilà, là, il y a plus de balançoires. Et ce qu'on va mettre à la place, c'est ceci. On va mettre une gigantesque guirlande. Donc je vais un peu la tourner dans le bon sens. Hop là. On va juste un peu la reculer. Et on va l'agrandir pour qu'elle prenne un petit peu plus de plus. Un peu plus de place. Et là, elle m'a l'air quand même plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter une deuxième juste à côté. Juste ici à l'entrée, hop là, à la place des petits poteaux là qu'on a là. Donc les petits poteaux, on va directement les dégager. Ça dégage. Puisque à la place des petits poteaux, on a une magnifique entrée comme ceci avec des guirlandes. Et ça, c'est franchement beaucoup plus beau. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un maximum de cadeaux dans le monde. Parce que le Grinch, les gars, je sais pas si vous savez, mais il vole les cadeaux. Donc on va en mettre déjà au pied de ce sapin là, juste ici. Hop là, on va en mettre un petit rouge comme ça. Et on va en mettre plusieurs à côté aussi, juste ici. Et vous savez quoi, on va même mettre un autre cadeau. Hop là, là on en met encore plein d'autres. Et on va mettre aussi un géant cadeau. Et vu que je sais que vous adorez les Robux, ce que je vais mettre en cadeau, c'est une géante carte Robux comme ceci. Et voilà, d'ailleurs les gars, si vous voulez remporter des Robux, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à mettre je veux des Robux en commentaire. Je ferai gagner des Robux à une personne au hasard dans les commentaires. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que maintenant on va aller mettre le Grinch dans sa maison juste ici. Donc le Grinch, il faut savoir, donc c'est qu'il vit déjà dans une maison et il vit avec un chien. Donc dans le premier temps, on va déjà mettre le Grinch directement. Et le Grinch, il est jamais content. Donc lui, il va pas du tout. On va tout de suite le dégager. À la place, on va mettre un Grinch qui n'est pas content. Voilà, bon, ce Grinch là, il m'a l'air pas trop content. C'est parfait. Et une fois qu'on a mis le Grinch, on va mettre son chien avec lui. Son chien, les gars, il s'appelle Max. Et franchement, son chien est beaucoup plus adorable que le Grinch, hein. Perso, je sais pas pourquoi, mais j'adore le chien du Grinch, les gars. Dites-moi si vous l'aimez en commentaire. Franchement, il est beaucoup trop cool, le chien du Grinch. Je le trouve beaucoup trop sympa. Une fois qu'on a mis le Grinch et son chien dans la maison, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va aussi mettre du coup le réveil du Grinch, parce que le Grinch a un réveil. Le fameux réveil qui dans le film a une musique que le Grinch déteste, puisque la musique est joyeuse et le Grinch déteste tout ce qui est joyeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un gigantesque réveil. Donc juste ici, on va tourner le réveil dans ce sens-là. On va lui mettre le réveil en gigantesque comme ceci. Comme ça, on est sûr qu'il le verra. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Il a un réveil bien grand. On va lui mettre juste ici. Parfait. Par contre, là, il n'y a pas beaucoup de lumière dans sa pièce. On va mettre un peu de lumière. Sinon, le Grinch, il vit dans le noir. C'est pas très joyeux. Voilà, là, il y a plus de lumière déjà. Là, c'est déjà beaucoup mieux parce que le Grinch, depuis tout à l'heure, il vivait dans le noir. Là, ça aurait pas été du tout. Et là, le Grinch, on a le Grinch du coup avec son gros sac, le sac où il vole tous les cadeaux. Parce que dans le film, le Grinch vole aussi les cadeaux. Après, il faut pas oublier une autre des choses que le Grinch déteste, c'est les bonhommes de neige. Me demandez pas pourquoi, mais il déteste les bonhommes de neige. Le Grinch n'arrête pas de se faire frapper par les bonhommes de neige. Chaque fois, il se prend dans leurs bras. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste ici, je vais placer un bonhomme de neige. Tac, on va le tourner vers la rue, un peu comme ceci. Et on va le mettre gigantesque. Hop là, on va le mettre un peu plus grand. Voilà, comme ça. Et je vais aussi aller mettre un bonhomme de neige juste devant la maison du Grinch, juste ici. Bon, par contre, j'aurais peut-être dû faire la maison du Grinch plus en montagne. Parce que le Grinch, normalement, il préfère les montagnes à la ville. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Déjà, le Grinch a son bonhomme de neige. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre un peu de neige. Parce que là, le Grinch n'a pas du tout de neige. Donc on va mettre un ciel qui neige. Et oula, il est vraiment pas beau. Est-ce que j'ai pas un meilleur ciel qui neige? Lui, il m'a l'air déjà un peu plus beau. Et juste devant sa maison, on va rajouter un petit peu de neige. Donc là, je vais mettre de la neige sous cette forme là. On va la mettre sur toute la route et surtout en face. Hop là.
comme ça, il m'a l'air d'avoir pas mal de neige. Ça va être plutôt cool. Déjà, là, il y a pas mal de neige devant chez lui. Et on va mettre aussi un peu de neige en relief, parce que là, il n'y a pas du tout de relief à la neige. Hop là, là, on va mettre un peu de neige comme ça. On en met un petit peu partout devant chez lui. Comme ça, ça fait un peu de relief. C'est toujours plus beau. Et là, comme ça, ça m'a l'air parfait. Le Grinch a plein de neige devant chez lui. Mais il va pas spécialement adorer parce que le Grinch n'aime pas spécialement la neige. Mais bon, au moins, ça lui fait de la neige. Et on va même lui mettre un petit sapin autour de chez lui. Et non, vous savez quoi? On va même mettre plusieurs sapins autour de chez lui d'ailleurs. Que le Grinch déteste tout ce qui est en rapport avec Noël. Donc même les sapins, il déteste. Je vais même rajouter d'ailleurs un peu de neige. La neige, on va la mettre beaucoup plus grande. Voilà. Comme ça, c'est le Grinch va vraiment détester jusqu'au bout. Hop là, voilà. La neige m'a l'air assez grande. Pareil, on va rajouter d'autres sapins du coup un peu partout. Hop là, juste ici, là. Et je vais en mettre aussi un peu partout dans la map. Et bon, là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté pas mal de sapins. Il y en a un gros devant l'école. Et on a plein de petits un peu partout dans la map. Juste ici, par exemple, juste là. Là, là, il y en a un peu partout. Et bon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté quelques petits trucs. Notamment, j'ai mis de la neige un peu partout dans Brookhaven. Comme ça, ça m'a l'air beaucoup plus sympathique déjà. La neige, elle recouvre déjà beaucoup plus Brookhaven, je trouve. C'est vraiment beaucoup mieux. Et bon, je vais aller cacher un petit truc quelque part dans la map. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'ici, vous saurez. Mais juste ici, à côté. Non, même, vous savez quoi, on va le mettre encore plus loin. Juste là-bas, il me semble, voilà, il y a le grand panneau Brookhaven. Apparemment, le grand panneau dit d'adopter une fille qui s'appelle Aria, qui est très riche. Ok, d'accord. Bon, ça, on s'en fiche un peu à la limite. Ce qu'on va mettre, par contre, c'est un item que on va mettre juste en bas et celui-ci te permettra de devenir le Grinch. Donc pour tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'ici, vous saurez, mais si vous allez là, vous pourrez devenir le Grinch. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les gars si vous voulez pouvoir tester le jeu à 1500 likes, je vous propose de tester le jeu. Donc vraiment, mettez-moi 1500 likes les gars si vous avez envie de tester le jeu. Et bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore au Grinch? Le Grinch les gars, que je me souvienne bien. Ah oui, je viens de me rappeler d'un truc, le Grinch aussi, il déteste les magasins les gars. Dans les magasins, le Grinch aime bien tout voler et tout manger et même après reposer dans le caddie des autres gens d'ailleurs, donc les caddies juste ici, dans le caddie des autres gens, ce qu'il a volé pour manger. C'est pas un type très gentil quoi. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais quand même juste retirer la neige à l'intérieur du magasin là, parce que ça fait un peu de trop, voilà. Et par contre du coup, à la place, on va juste virer quelques paquets de chips au hasard. Parce que bon, le Grinch n'aimerait pas tout ce qu'il voit ici là. Donc hop là, je vais virer quelques paquets de chips, on en vire un sur deux, voilà. Juste ici pareil, on va virer quelques petits paquets de chips, et juste derrière, on va virer, hop là, les petites bananes, et même des pommes. Voilà, comme ça, il y a beaucoup moins de trucs dans les rayons. On va dire que c'est le Grinch qui les a volés. Juste ici, on a une boisson violette, un espèce de grimace shake, pareil. Les grimace shakes, c'est le Grinch qui les a volés, clairement. Hop là, on va dégager nos grimace shakes, là. Le Grinch, il a tout volé, il n'y a plus rien du tout, là. Hop là, il n'y a plus rien. Et bon, à la place, ce qu'on va mettre, c'est que tous les trucs qu'il a volés, eh ben, on va en remettre certains dans les caddies juste ici. Eux, par exemple, ce truc-là, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un caddie juste ici, le caddie d'une personne qui a rien demandé. Parce que le Grinch adore faire ça, mettre dans le caddie des gens qui ont rien demandé des produits complètement au hasard. Donc là, voilà. La personne qui a ce caddie, bah, elle va découvrir qu'elle a un paquet de chips juste ici. On va même en mettre un deuxième. Tiens, deux pour le prix d'un. C'est parfait, c'est une offre, c'est cadeau. Ça se refuse pas un cadeau. Bon, par contre, un cadeau que la personne qui a les caddies va devoir payer. Mais bon, ça, c'est pas le problème du Grinch, ça. Et ensuite, par contre, je viens de penser à un truc, mais ce qui manque énormément, c'est le Père Noël, les gars. Parce que le Grinch déteste le Père Noël. Donc, on doit faire un truc pour l'ennemi du Grinch, quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste en face, juste ici où il y a un grand espace, je vais mettre la maison du Père Noël. Et bon, là, du coup, je viens d'ajouter la maison du Père Noël à Brookhaven, juste ici. Donc, elle est comme ceci. On va voir un peu ce qu'elle vaut, cette maison du Père Noël dans Brookhaven. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur déjà de spécial? Juste ici, on a tout les nains du Père Noël, ok, qui sont en train de manger avec le nain en chef qui est en train de diriger tous les autres nains, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette fameuse maison? La plupart des pièces sont vides, j'ai l'impression, malheureusement. Juste ici, on a quand même des escaliers qui nous font aller à l'étage et le Père Noël est censé être juste ici et c'est ça le Père Noël. Il est horrible, les gars. On va directement remplacer ce Père Noël, c'est hors de question qu'on laisse ça en tant que Père Noël. Donc ça, on va directement le dégager. On va rajouter aussi un petit peu de lumière quand même dans cet endroit-là parce que sinon, c'est beaucoup trop sombre. Hop là, comme ceci. Et voilà, là, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bien meilleur Père Noël sur le trône juste en haut, puisque on va mettre celui-ci. Il m'a l'air déjà beaucoup mieux. Et oh là, mais regardez-moi ce Père Noël incroyable! Regardez-le moi, il m'a l'air beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, moi-même, les gars, pour ceux qui sont restés aussi jusque-là, si tu veux te transformer en Père Noël dans ma map, tu as juste à te rendre juste ici dans Brookhaven, juste là. Tu auras alors ce Père Noël juste ici qui te permettra de te transformer en Père Noël, donc ce Père Noël juste là. Et c'est franchement plutôt cool. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que juste devant la maison du Père Noël, je vais rajouter le petit traîneau du Père Noël. On va rajouter dans la botte du traîneau un petit cadeau. Même, vous savez quoi, on va en mettre même plusieurs des petits cadeaux dans la botte du Père Noël. Hop là, comme ceci, c'est parfait. Et juste devant le traîneau, on va mettre un petit renne comme ceci. Hop là, je vais le tourner dans le bon sens. Et on va un peu l'agrandir. Et franchement, il
m'as l'air plutôt tranquille là. Par contre, tu m'as l'air un tout petit peu petit, c'est le problème. Mais bon, ça c'est pas grave à la limite. On va laisser le traîneau du Père Noël comme ceci. Et bon, franchement, ça m'a l'air plutôt cool comme ça. Et bon, là, je pense que j'ai quand même fait un Brookhaven du Grinch qui est plutôt pas mal, honnêtement. Je pense que le Grinch va plutôt apprécier. Maintenant, il faut tout de suite que j'appelle le Grinch pour voir ce qu'il pense de mon Brookhaven. Je vais lui demander du coup, le Grinch, est-ce que tu aimes mon Brookhaven? Et on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce que le Grinch aime mon Brookhaven et me laisse sortir en liberté? Ou il veut que je reste juste ici en prison avec seulement des toilettes? Et bon, franchement, c'est pas que j'aime pas les toilettes, mais si c'est pour avoir un Skibidi toilette avec moi dans ma prison, c'est non merci. Et elle m'a dit quoi? Je trouve ton Brookhaven très... très incroyable, elle va dire, c'est sûr. Moyen? Comment ça moyen? Les gars, j'ai l'impression qu'elle aime pas mon Brookhaven. Et elle a dit quoi? Je rigole. Oh, let's go. Et elle m'a dit, tu peux sortir. Oh, c'est vraiment incroyable. Et elle m'a ouvert la porte. En plus, je suis totalement libre. Bon, bah, ça, c'est plutôt cool. Je peux enfin partir de cet endroit. Et je peux enfin m'enfuir de sa maison. Bon, bah, bref, les gars, du coup, sur ce, n'hésite pas à like et à t'abonner. Et à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai tous un ami qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.